Oui, il ne faut pas oublier que la génération d'Evans Pritchard, et donc directement la mienne, était obsédée par le problème religieux, la religion primitive, si tu veux. C'était le dernier soubresaut des grandes polémiques de l'époque victorienne. Et il n'était pas question à Oxford, même dans les tutorials d'écologie, ni même d'économie. Il fallait passer par là. Il fallait bouquiner un peu là-dessus, mais ce n'était vraiment pas la préoccupation principale de ma génération. Mary Douglas était là, était une des élèves favoris d'Evans Pritchard. C'était la dernière génération, je crois, où il était presque obligatoire de revenir avec une monographie sur la religion des X, Y, Z. C'est dans les années 70 que vous avez un changement radical de paradigme avec Godelier, Meyassou et compagnie, et donc le néo-marxisme, l'approche via les modes de production. Moi, j'ignorais tout ça. Moi, j'étais dans les symboles, dans les rites, dans la cosmologie, dans tout ce qui est théologie, philosophie, vision du monde. C'était ça qui nous fascinait. Et c'était ça où c'était un peu décevant chez les Wakonongo, si tu veux. Ils ont tout oublié, où ils cachent tout, mais il n'y a rien du tout. Où je suis complètement con et aveugle. Mais il ne faut pas oublier que les Wakonongo, dans les années immédiatement après la Première Guerre mondiale, où ils avaient déjà subi des dégâts énormes démographiquement à cause de la guerre, il y a eu, on oublie souvent ça, en Afrique de l'Est, il y a eu une guerre aussi vicieuse et dispendieuse que ici en Europe. Les Allemands et les Anglais et les Belges se sont bagarrés via population indigène interposée. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de morts, beaucoup de conscrits dans cette région où j'étais. C'est la première fois de leur histoire que les Belges ont battu les Allemands, c'était en 1916, à Tabora. C'est resté dans l'histoire de la Belgique. Les Allemands ont dû battre en retraite suite à cette victoire des Belges, appuyée évidemment par des troupes congolaises dont les Wakonongo se souvenaient comme des sinistres anthropophages parce qu'ils limaient leurs dents. Ils avaient des doigts, des dents en scie. Mais malheureusement, si vous voulez, les Wakonongo vivaient déjà les premiers connus de l'histoire, si vous voulez, de notre histoire, ont été rencontrés par Stanley en 1871. Descendant de Tabora vers le lac Tanganyika, tout d'un coup surgit de cette forêt deux Wakonongo, rigolos comme tout, sympas, relax, ils étaient des apiculteurs, ils ont sympathisé avec Stanley, et qui a constaté aussi l'extrême dispersion de l'habitat. Il n'y avait pas de village, encore moins de ville, quelques sentiers qui reliaient les hameaux. Et ce qui est intéressant, mais c'est après que je me suis rendu compte, sur la plupart des cartes de l'époque allemande, et déjà les premiers cartes des explorateurs, tu as toujours chez un tel, disons, on disait en swahili quoi. Mettez le nom propre du responsable, Kwa Mbaula, par exemple, chez le chef Mbaula. Mais très souvent, entre parenthèses, il y avait trois petites pyramides pour dire ruiné. Et c'est tout simplement parce que
Il ne restait pas plus sur place plus qu'une dizaine d'années. Quand vous cultivez sur brûlis, bon, le blanc, il passe et il constate que vous êtes là. Il dit, voilà, ici, c'est chez un tel. Ce qui est intéressant, c'est chez un tel et non pas dans un bled qui s'appelle, ici, on est à Mézeray. Et en latin, Mézeray, c'est ruine, macerie. Ça a toujours frappé mon ami et chauffeur sénégalais qu'on a fait venir ici en Belgique. J'ai dit, Sam, il s'appelait Sam, on est ici, les premières références à Mézeray, c'est du 9e siècle. Il a dit, c'est pas possible, vous êtes là pendant, dans les ruines depuis 1000 ans. Oui, les blancs, ils bougent pas. Mais les noirs, ils bougent toujours, ils ont la bougeotte dans leur gène. Et donc, déjà, à l'époque précoloniale, un habitat très dispersé, bien que fortifié, parce qu'il y avait déjà des esclavagistes, il y avait déjà des problèmes, si vous voulez. Vient la Pax Britannica, les Wakonongo s'éparpillent comme bon ils le sentent, chacun dans son bled à lui. Donc, beaucoup de hameaux, mais très éloignés les uns des autres, et même dans les hameaux, pas de centre du village, il y avait un cours, entre guillemets, des chefs, mais qui ne se payaient pas de mine, qui n'étaient pas le centre du village. Et les gens habitaient toujours aussi éloignés que possible les uns des autres. Ils n'étaient pas coincés ensemble comme des sardines dans une boîte. Ce qui... Donc, moi, je note ça à l'époque. Ils cultivent sur brûlis, habitats dispersés, etc. Sans me rendre compte à quel point, parce que je n'étais pas un néo-marxiste pour un sou, à quel point le milieu est au moins associé à la mentalité. Moi, je dirais, ça produit, ça détermine, mais il faut éviter le réductionnisme. Et moi, je crois que beaucoup de mes déceptions, de mes regrets de ne rien trouver de très exaltant, étaient dus, si vous voulez, au milieu même et au choix de mode de production. Parce que les Wakonongo auraient pu s'incruster, ils auraient pu, à la limite, se sédentariser. C'est ce que Nyerere a voulu faire à l'époque de la villagéisation, regrouper les gens dans des centres Ujama pour avoir à leur disposition de l'eau courante, un dispensaire, une école. Ils étaient un peu comme les gitanes, si vous voulez, les gitanes. C'est pas faute de mieux. Ils ont ça, entre guillemets, dans le sang. Ils sont retors à être bloqués sur place. Parce que quand je demandais aux Wakonongo, avant que les Pères Blancs aient venu vous expliquer le programme révélé, Dieu, ça vous disait quelque chose, la création, la fin du monde, bof, ils ont dit non, 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 nous on connaît, c'est vous autres qui nous avez expliqué ça, puisque c'est gratuit, on l'a pris, quoi, c'est... Ça ne portait pas préjudice parce qu'on n'y croyait pas trop. Et puisque le blanc le disait, c'était bon. Parce que j'avais, par exemple, demandé... J'avais commencé mes enquêtes dans l'ethno-histoire. Parce que j'ai dit, bon, c'est délicat de commencer en plein milieu des histoires de sorcellerie, de possession, etc. Donc, je vais commencer au niveau de l'ethno-histoire. Parce que je savais, si vous voulez, que historiquement, ils avaient été pas mal chamboulés. Comme je vous ai dit, la colonisation, l'esclavagisme, l'arrivée des Allemands, qui n'étaient pas tendres, les Blancs, les Belges et Britanniques qui succèdent aux Allemands après la guerre, qui instaurent l'administration coloniale. La grippe espagnole aussi est passée par là. Et puis, dans les années, à la fin des années 1919-20, il y a la maladie du sommeil qui leur tombe dessus et qui les décime. Ça veut dire, s'il y avait eu à l'époque
la publicité médiatisée qu'il y a maintenant pour les catastrophes, entre guillemets, naturelles, ils auraient été à la une tous les jours, parce qu'ils mouraient comme les mouches, malheureusement. Les mouches ne mouraient pas, justement. Ils ont essayé d'en sortir vivants eux-mêmes par toutes sortes de divinations, pour voir qui les en voulait à mort. Ils n'ont rien trouvé. Et ils ont fait appel en désespoir de cause à l'administration coloniale. Et un brave médecin écossais, Dr. McLean, est venu à ses risques et périls sur un vélo avec deux ou trois portiers, porte-bagages africains. Et c'est lui qui a diagnostiqué la maladie du sommeil et qui a proposé qu'on les regroupe, parce que la mouche tsetse ne vole pas au-delà de 500 mètres de brousse dégagée. Et donc, on a regroupé à la fin des années 20 tous les Wakonongo dans une immense région énorme, dans deux clairières, si tu veux, au milieu de cette immense forêt à Inyonga et à Ilundé. Et donc, ils ont été sérieusement chamboulés, traumatisés. Je me suis dit au loin, j'avais préparé un sujet de thèse qui était l'impact de la maladie du sommeil sur la philosophie et pratique du monde des Wakonongo, imaginant que, comme Auschwitz, ça aurait laissé des traces. Quand je commence à interroger les vieux qui avaient connu ces déguerpissements, je voyais que ça ne les intéressait pas du tout, mais sachant que j'avais une thèse à faire, ils ont été gentils, ils ont gratté les méninges pour me donner... Mais ça ne les disait... Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'ils ont vécu une catastrophe qui aurait fait disparaître d'autres peuples avec d'autres modes de production. Le fait d'aller de l'avant toujours fait que tu laisses derrière même des choses terribles, comme si de rien n'était. C'est de l'eau sous le dos d'un canard. Et donc, j'ai changé de sujet de recherche parce que les Wakonongo étaient obsédés par des possédés. La moitié du temps, la moitié des femmes du village étaient possédées par des esprits. Et donc, c'est sur ce problème-là que je me suis focalisé par la force du terrain. C'est ça que je disais souvent à mes étudiants. De grâce, bon, il faut faire semblant d'avoir une hypothèse de travail, mais le travail, c'est le terrain qui va dicter de quoi ça va retourner, et non pas tes foutues hypothèses a priori de travail. Laisse parler l'autre. Laisse lui dire ce qu'il veut dire lui, et non pas ce que tu voudrais qu'il... te dit. Et donc, les Wakonongo regroupés, les Anglais ont espéré qu'ils allaient se sédentariser, qu'ils allaient cultiver sur place avec des intrants engrais, etc., pour pouvoir cultiver, exploiter sur place. Mais eux, ils ont continué à cultiver sur brûlis, et donc chaque année, ils allaient toujours plus loin. Plutôt dans la brousse, ils continuaient à déboiser, à défricher, comme si de rien n'était. Quand moi, j'étais à Mapile, est venue une équipe de conscientisateurs paramédicaux pour nous expliquer ce que nous risquions, parce qu'à la fin de l'époque coloniale, on avait réduit les taux d'infection des mouches à une mouche sur 900, était encore porteuse de la maladie, mais ça parce qu'on n'avait plus de DDT, on n'avait plus les moyens de sanitariser les gens, et la maladie renaissait de plus beau. Alors, ils ont envoyé ces équipes, ils nous ont monté des immenses posters avec la mouche tsetse. C'était plus grand qu'un éléphant, avec une trompe qui suçait le sang. Moi, je chiais dans mon froc, c'était hallucinant. Puis pour enfoncer le clou, ils ont montré dans des microscopes tous les biloulous qui gigotaient, qui ouachotaient, comme disent les Wallons. Ça, je dis non, le chien, tout ça, ça va dans le sang. La moindre mouche, il va foutre ça dans...
J'étais paniqué. Bon, les conscientisateurs plient bagages et ont convaincu les gens de rester sur place. Ils remontent dans le Land Rover climatisé, croyant avoir fait du bon boulot. La première chose que le vieux chef m'a dit, il a dit, Mike, on s'en va en forêt. Il y a trop de boucans dans le village. Moi, je dis, mais vous n'avez pas vu? Il a dit, mais nos mouches sont tout petits. Ils ne sont pas aussi grands que ça. Et j'ai dit, non, mais quand même. Là, les trucs, là. Mais il a dit, mais qui est-ce qui les envoie? Qui est-ce qui les téléguide? Je dis, comment les téléguide? Ça, les mouches, ça tire son plan. Il te boucle. Non, 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 il dit, écoutez, nous, on est blindés. On va en forêt, on risque rien. Sauf si le mouche qui te pique a été téléguidé par un méchant sorcier et qui est venu à bout de ton blindage. Parce qu'il dit, on va en forêt à 100, il y a 10 qui attrapent la maladie. Explique-moi ça. Moi, je dis, mais je ne peux pas, c'est statistique. Statistique, ça, c'est des conneries de blanc. Nous, on sait que celui-là, il l'a chopé parce que sa belle-mère lui a envoyé un méchant mouche dans les gencives, c'est tout. Bon, je n'étais pas très convaincu, mais il fallait faire de l'anthropologie, donc je les ai accompagnés en forêt. Je comptais les mouches jusqu'à 900, et puis le 901e, je retournais chez moi, parce que c'est celui-là qui allait plus loin. Mais comme je dis, je ne faisais pas très attention aux modes de production matériels. Bon, comme je cultivais moi-même, quand je défrichais, je savais ce que c'était. Matériellement, cultivé sur brûlis, mais je n'avais pas réfléchi sur l'impact que ça peut avoir sur ta vision et valorisation du monde. Parce que, comme je dis, j'ai commencé dans l'ethno-histoire pour éviter de marcher sur des pieds sensibles, mais eux, premier équivoque, c'est que les vieux chefs qui sont venus me raconter leurs histoires avaient l'impression, mais je ne le savais pas tout de suite, que j'étais revenu pour réinstaller la colonie. Et donc, le premier chef, il a dit, « Oui, j'ai 6 ancêtres, voilà les noms. Enfin, » je les note. Le chef suivant, avec son premier ministre, quoi, le vieux, là, il t'a dit, « 6, nous avons 7. » À la fin de la journée, le dernier, il en avait 36. Parce qu'ils espéraient être le primus inter pares, le paramount chief qui allait recevoir l'insigne royal et partir avec le gros lot, si tu veux. Donc, c'était, moi, ce que moi, j'imaginais de l'ethno-histoire, c'était de la politique politicienne. Mais surtout, les histoires des sorciers, des esprits, ça ne faisait pas de problème. C'est ça qui est très intéressant aussi, de quoi est-ce que les gens parlent spontanément. Si vous demandez des questions, ils répondent. Ils savent que vous avez une thèse à faire. Et le paysan, en général, et africain en particulier, est très poli. Il ne va pas te contredire. Moi, à la mission où j'ai appris la langue, je savais que le papa du cuisinier était très malade. Très, très malade. Je retourne dans la grande ville chercher une cantine. Et je reviens. Et je dis au cuisinier, bon, ton papa, ça lui va? Oui, oui, il va très bien, mais il est mort. Ça veut dire, il ne pouvait pas dire, espèce de con, il est mort. Non, d'abord, il faut accompagner ton interlocuteur, et puis tu reviens gentiment en arrière, si tu veux. Alors, si tu dis aux Africains, est-ce que vous avez des mythes de création? Bien sûr, n'est-ce pas? Non, super, alors. Mais raconte-moi. Oui, attendez, il faut que je réfléchisse. Oui, ça pourrait que... Tu vois, tu es en train de créer de toutes pièces une philosophie, une théologie bantou qui n'existait pas. Et c'est ça qui m'est arrivé. Ça veut dire, j'ai demandé au Wakonongo, vous venez d'où? Parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas toujours là. Eh bien, les premiers, ils ont dit, mais nous, on vient du nord, Rwanda, Burundi, nos ancêtres sont... Alors, je fais une carte de migration, une flèche qui descend nord-sud. Par acquis de conscience, je demande à un autre lignage, et vous autres? Non, 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 nous, c'est nous, on vient d'en bas, sud-nord.
À la fin de la journée, j'avais une sorte de rond-point avec des flèches qui partaient dans tous les sens. Ils se croisaient chemin faisant. Comme si... Alors là, j'ai renoncé à faire une carte des migrations au Konongo. Il dit, bon, ils partent dans tous les sens. Alors, j'ai dit quand même, ça ne vous a jamais rien dit d'aller voir votre homeland, votre lieu d'origine. Parce que j'avais en tête la nostalgie des Italiens, des Irlandais, des Turcs pour leur pays d'origine. Ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on irait en arrière quand c'est exactement tel qu'on est ici et maintenant? C'est la même forêt, c'est... Et c'est vrai. Chemin faisant dans la forêt, de temps en temps, on traversait une clairière qui était en train de redevenir de la brousse. Donc, tu voyais parfois un manguier ou beaucoup d'herbes et des vestiges de cases. Et ils ont dit, oui, mais on habitait là. On sait, c'est Matongue, c'est Kwambaou, là. Et j'ai dit, mais les morts sont là. Oui, oui, les morts sont là. Mais j'ai dit, vous ne venez jamais. Pourquoi est-ce qu'on... De nouveau, le blanc, il est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on irait voir les morts? Ils sont morts. Qu'ils nous foutent la paix, quoi. C'est culte des ancêtres. Rien à cirer. Et donc, mais longtemps après, je me suis dit, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de mythe de création. Parce qu'il n'y a pas de commencement. Ou s'il y a un commencement, ça ne les intéresse pas. C'était ni mieux ni pire que le présent. Quant à savoir si on allait dans le mur ou si on pouvait améliorer indéfiniment le futur, ça ne leur venait encore moins à l'esprit. Parce qu'ils ne savaient pas où ils seraient le lendemain. Parce qu'il n'y avait pas de plan. Chaque famille allait et partait, en gros, dans la direction qu'ils voulaient. Là où ils sentaient qu'il y avait des bons terrains dans la forêt, là où ils pourraient rencontrer du gibier, etc. Mais il n'y avait pas d'idée de... Il y avait donc très peu de mythes de création. J'en ai pas trouvé. Les pères, à force de harceler les gens, en ont créé. Quant à une eschatologie apocalyptique, une fin de monde catastrophique ou même un progrès indéfini, absolument inconnu. Les Wakonongo allaient tout simplement de l'avant, ni vers le haut, ni vers le bas, ni... mais tout simplement de l'avant. Alors ça te crée, si tu veux, une sorte de philosophie point zéro. Vous voyagez aussi légèrement en esprit qu'en réalité. Ils trimballent rien. C'est pourquoi la matérialité de la vie Konongo, les cases et tout ça, ça ne se paye pas de mine. Alors, les ONG qui viennent disent, oh, il faut améliorer ça, les maisons sont dégueulasses, il n'y a pas... Mais je dis, quand vous savez que d'ici 10 ans, votre maison, vous allez l'abandonner, vous n'allez pas mettre le paquet. On met le paquet dans les rapports humains, dans l'immédiat. C'est la convivialité qui est cruciale et non pas les constructions, les meubles, etc. Et donc, moi, je crois effectivement que cette espèce de philosophie et pratique nomade du monde est tout à fait viable. Les Wakonongo n'étaient pas moins humains, ça veut dire moins intelligents, moins soucieux de l'environnement, moins à cheval sur la politesse, etc., etc., que les sédentarisés. Mais ils avaient une mentalité radicalement différente. Il n'y avait pas de métaphysique, il n'y avait pas de mystique, si tu veux. C'était, il n'y avait pas de... Surtout, il n'y avait pas de haut, de très haut. Le ciel, là, ça ne les intéressait pas. On allait de l'avant, dans une direction indéfinie, mais horizontale. La dimension verticale ne les intéressait pas.
Parce que j'avais demandé aussi, oui, avant que les Pères Blancs vous aient expliqué qu'après la mort, on va tous assister à une sorte de télévision théologique pour l'éternité, la vision béatifique, la télévision béatifique. Tous à genoux, chacun pour soi, tous ont pris Dieu devant Dieu, réincarné, mais Dieu sait pourquoi, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a pas de fornication prévue au ciel, pas d'activité collective. Le ciel, c'est chacun pour soi, devant Dieu. Mais où est-ce que, avant, les morts allaient? Ben, ils ont dit, mais ils n'étaient pas si morts que ça, de toute façon. Et vous voyez ces collines-là, à l'horizon? Oui. Eh bien, ils sont là. Il y a un village où ils habitent, quoi. Il n'allait pas auprès de Dieu. Non, ça, c'est les Pères Blancs qui nous ont expliqué ça, si tu veux. Donc, je crois que c'est... Peut-être les jeunes anthropologues trouvent que j'enfonce une porte ouverte, mais ce tourner en rond entre milieu et mentalité me paraît absolument crucial. C'est ce que... J'appelle, dans mon jargon, la topologie. En grec, topos, c'est lieu. Et pour moi, l'ABC de l'anthropologie, de l'approche anthropologique, c'est les trois L. À chaque lieu correspondent sa logique et son langage. Évidemment, il faut bien circonscrire le lieu. C'est fini. Par exemple, un grand lieu comme le lieu femme, ça n'a, c'est le cas de le dire, ni queue ni tête. Ça veut dire, ça n'existe pas. Il n'y a pas une condition féminine. Il y a à la limite un lieu femme, non pas belge, non pas wallon, mais mésorétois. Il y a un lieu des femmes d'ici. Qui est très différent des lieux des femmes de Namur, qui est très différent. Et donc, à chaque fois, plus on arrive à circonscrire un lieu, mieux on a en main une logique sensée et un langage compréhensible.